Salut, moi c'est Henri Dagenais, je fais partie de l'équipe de HXN. Bonjour, je suis Néry Duchesne, j'ai fait partie de l'équipe de HXN. Et j'ai participé au projet Psycom. Et j'ai travaillé sur le projet Psycom. Comment la collaboration a commencé avec HXN et Psycom? C'est qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à voir le podcast que Guillaume était dedans. Et j'ai commencé vraiment à être intéressé par le personnage que Guillaume était. Donc, j'ai commencé à suivre ses réseaux sociaux. J'ai eu une rencontre avec lui dans le cadre d'un cours Psycom. Et après ça, on est resté en contact. Et quelques mois après, il m'a contacté pour me demander si on était en mesure de capter le cours Psycom 1 au complet. Là, Néry avait eu le contact avec Guillaume Dulude. Et en février, on a eu notre premier meeting avec Guillaume. Explication. Ah, merde. C'est pas ça. On voit-tu bien? C'est tu dark un peu? C'est relativement noir. Est-ce que tu veux dire relativement? Je me sens intelligent. On est chez Psycom, juste devant un bureau. On s'apprête à faire un meeting pour la première fois. Une vieille usine abandonnée, c'est... Wow. Puis on s'en va faire un meeting pour préparer un gros tournage qu'on va faire avec eux. Fait que, ben, c'est ça. Je suis très excité. Exact. Juste c'était pas comme ça. Là, on est dans les bureaux de Psycom en ce moment. Fait que là, on est en train de s'organiser pour aller filmer. Il y a pas long. Je suis tout le processus pour pouvoir filmer. Fait qu'on a eu notre premier meeting avec Psycom. On a parlé de qu'est-ce qu'exactement Guillaume voulait. Il nous a expliqué qu'il voulait mettre son cours de communication en ligne. Il voulait qu'il le rende virtuel. Pour moi, la psychologie, c'est comme le sport. Si tu n'entraînes pas les bonnes affaires, tu n'auras pas le résultat que tu veux. Point. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Psycom dans cette philosophie-là, qui est très sportive. C'est très basé sur atteindre des buts, performer, puis pas juste performer sur des tâches comme externes, performer dans ta croissance, performer dans comment tu te perçois, performer dans tes habiletés interpersonnelles, donc Psycom. Guillaume nous expliquait que lui, son idée, c'est de prendre tout ce cours-là, de tout le filmer et de faire une longue épisode. Là, après ça, on a discuté, on a regardé tous les exercices et toute la théorie qu'il y avait. Et moi et Henri, on s'est dit que mettre plusieurs épisodes serait peut-être plus gagnant. Donc, on a choisi de faire plusieurs épisodes et non une longue capsule, vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu. Et aussi, on s'est inspiré du cours Masterclass qu'il y a avec les plus grands. Donc, on s'est dit que ça vaudrait la peine de faire la même chose avec Guillaume. Ça, c'est genre la formation, le groupe de base. Ouais, vous revenez souvent à ça. On revient souvent à ça. Fait que ça, c'est un setup. Okay. Je fais de la théorie de même, on partage, on parle ensemble, on explique ce qui s'est passé, c'est moi versus le logiciel. On avait réussi à organiser comment le cours allait se dérouler. Donc là, après ça, c'était rendu la partie de produire le cours au complet. Comment qu'on allait faire ça? Dans le fond, Guillaume avait l'idée de faire son cours pas juste dans un studio qu'elle a tout expliqué, tout son cours au complet. Il a décidé, on va faire le cours en live. On va avoir des gens qui vont participer au cours, qui vont être devant nous, puis qui vont interagir avec Guillaume. Plus que Guillaume nous montrait le cours et nous expliquait, plus qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup d'interactions avec les participants, il y a des activités, donc du monde bougeait. Et il fallait toujours avoir du bon son, une belle image sur chaque plan. Et le point le plus important, c'est que l'équipe de tournage ne devait pas déranger le cours. Donc, après le cours, on a décidé d'amener Guillaume en studio pour faire un interview avec lui. Donc, il allait expliquer tous les points qu'il voulait donner plus d'informations ou les points à combler. On a fait un intro et une conclusion pour chaque bloc. Donc, il fallait tout organiser ça aussi, que c'était beaucoup, beaucoup de préparation pour savoir exactement ce que Guillaume devait dire. OK. On commence. Nice! Donc, on a réussi à tout filmer. On a filmé le cours au complet, qui était 3 jours. On a filmé les débuts d'informations et des scènes extra avec Guillaume en studio. Et en tout, tout ce qu'on avait, on a réussi à avoir 3 terabits de données. 3 terabits de données, c'est 3000 gigs. C'est énorme. On avait en tout 21 heures de cours. On voulait couper ça à peu près à 9 heures de cours. Et le gros défi a été de couper beaucoup de contenu parce que tout le cours de Psycom est vraiment pertinent. Mais on a dû couper beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de cours pour en faire une version un peu plus concise, plus punchée. Donc, c'est un des projets que je suis vraiment le plus fier qu'HXN a réalisé, tant avec la grosseur de la production, avec le montage qu'on a réussi à faire. On a passé 3 jours complets avec un groupe qui était,
qui étaient super intelligents, qu'on a découvert des gens qui étaient extraordinaires. On a pu apprendre en même temps avec eux, parce que je veux pas. Qu'est-ce que Guillaume apprend dans son cours, c'est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Puis encore à ce jour, on utilise tout ce qu'on a appris avec lui. Le cours est maintenant disponible en ligne pour les intéressés. On va vous mettre le teaser à l'instant. OK. On commence. PSYCHOM 1, c'est une formation dédiée à la communication interpersonnelle un à un. Je m'appelle Guillaume Dulude, ça va être moi qui va vous coacher pendant toute la durée de la formation. Ce qui se passe dans votre cerveau est en interaction directe avec votre visage. Et pendant cette formation-là, je vais vous apprendre tous les mécanismes les plus importants à connaître quand vous êtes en dialogue avec une personne, peu importe avec qui et dans n'importe quel contexte, jusqu'à la fin de votre vie. On va parler des mécanismes qui expliquent différentes choses dans les dialogues que vous vivez. Pourquoi ça clique avec certaines personnes? Pourquoi il y a des personnes avec qui on se sent confortable? Et surtout, on va apprendre à jouer avec ça. Parce que quand on comprend ces mécanismes-là, on retrouve un pouvoir qu'on n'avait pas avant. Il y a un plan. Il faut extraire la signification de cette émotion-là. C'est pour ça que la communication, c'est utile. Le fait de comprendre comment un cerveau marche change vos sujets de conversation, change vos priorités, change le pacing de la conversation. Ça, c'est l'écoute top. Et vous savez ce que c'est maintenant, avoir un 100% d'écoute. Je commence à faire, je me suis senti de même. Vous allez être capable de l'interpréter après. Ce qui se passe dans votre tête, ça veut dire vos intentions, vos émotions, votre attention, vos choix, se reflètent dans vos yeux. Le cerveau, il faut que tu y parles un langage qu'il comprend. Je m'appelle Guillaume Dulude. Bienvenue chez PSYCHOM.